Ah, les minicums, c'est l'avenir de plus tard dans la musique de tout de suite. Agace pas ta chance, mon Rachid. Maintenant, voici Vanesse. Je vais vous montrer comment on peut faire apparaître et disparaître une personne. Et sans plus tarder pour m'assister, voici la séduisante Vanesse. Salut Jojo. Ouais, c'est-à-dire que Vanesse a eu un petit empêchement, alors c'est moi qui la remplace. Ça te plaît pas? Ça commence bien. Bon, eh bien pour ce numéro, j'ai fait venir un volontaire. Salut, je suis le volontaire, ouais. Attention, monsieur Coco, êtes-vous prêt? Ouais. Il est prêt, monsieur Coco, vas-y. À tutti frutti, bidoulove! Merci beaucoup. Maintenant, mesdames, messieurs, nous allons le faire revenir. Babeloula, bibilove! Qu'est-ce qui se passe là? Je me suis peut-être trompé de formule. Bah non, pourtant le mot magique, c'est bien bibilove! Qu'est-ce que je fais là, moi? Je comprends pas, pourtant la formule, c'était bien bibilove. Qu'est-ce qui m'arrive? Qui c'est celui-là? Oh, j'hallucine? D'où il sort, lui? Ouh là là! Je crois qu'on va aller chercher mon livre de magie au grenier. Puisque je vous dis que le vrai Coco, c'est moi! Ça m'étonnerait, parce que le vrai Coco, c'est moi, je te ferai dire. Oh l'autre, il n'y a qu'un seul Coco ici! Et c'est moi! Oui, c'est moi! Non, oh, dis donc! Tu sais quoi, Nag? Il y a des fois, c'est grave, la magie. Ouais. Des fois, la magie, c'est grave, ouais. Non, moi! Non, c'est moi, je te dis que c'est moi! Moi, c'est moi! Oh, c'est moi! Hey, goûte ta chance! Je ne pense qu'à you, et ça me résonne. Tout partout dans le caillou, comme un disque d'estone. Et maintenant, c'est qui c'est qui quoi? Quand on te dit basket, c'est le MC avec sa casquette. Tartata cache! Resalut mes publicos et bienvenue à MNK Télévision, la télé de toutes les idées. Votre Coco supervise tout pour vous. Ah, c'est épuisant, je suis super débordé. Allez, pour commencer, MC va nous présenter une émission. Ouais, sur un sport qui se joue à 5 contre 5, le basket. À toi MC. Salut les bascos et salut les baskets. Tous les matins, les Japonais font de la gymnastique au bureau, alors moi j'ai inventé... le BNB, le basket de bureau, c'est facile. Pour jouer, il faut un ballon. Merci. Démonstration. Pas mal. C'est pas mal. Un peu trop sucré, mais pas mal. Pour le basket au bureau, un ballon tout seul, ça suffit pas. Il faut aussi un panier et une super détente. Pour le panier, n'importe quoi peut faire l'affaire. Attention, démonstration. Une poubelle, un sac, un short. Ils auront pas mes caleçons. Ça pulse, ça vous plaît? Maintenant, règle du jeu. Il faut se passer le ballon à travers tous les bureaux le plus vite possible. Compris les TLSP? Moi, j'ai compris. Et je fais l'arbitre. C'est parti. Attrape, Nag. Ouais. À toi, Jojo. Aïe, et toi aussi, José. Eh oh, Vanesse. Vous êtes dingue ou quoi? Eh oh, Vanesse, tu renvoies la balle rapido, là, hein, sinon je te fais sortir, moi. Ouais, ben je travaille, moi, hein, y'a rien qui presse. Mais si, ça presse! Oh là là, je sens que je vais l'éliminer, celle-là, ça va pas traîner. Bon, bah tant pis, Vanesse, c'est fini pour toi. Je siffle.
là, Coco, pour mon émission sur le basket, j'ai besoin de mon ballon et mon sifflet, moi. Cash et mon sifflet.